Levée de la décision de suspension de la TVA sur le produit de première nécessité. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui commence la semaine. Nous allons aussi vous amener à Washington, principalement aux États-Unis d'Amérique, pour parler cette fois-là de cette assemblée du printemps du Fonds monétaire international qui a réuni plusieurs experts venus de partout dans le monde. Mais avant tout, nous allons débuter avec les nouvelles en bref et c'est tout de suite. Débutons ces informations. Au cours de l'exercice 2022, le groupe de la Banque mondiale a fourni des financements indispensables et noué de partenariats avec le gouvernement, les secteurs privés et d'autres institutions pour aider les pays en développement à répondre aux besoins urgents et à renforcer la résilience face à des crises qui se superposent et à la fragilité croissante. Dans son rapport intitulé « Aider les pays à s'adapter dans un monde en mutation », la Banque mondiale indique avoir accordé des financements de l'ordre de 38,5 milliards de dollars américains à la région Afrique sur une enveloppe globale de 104,4 milliards de dollars américains pour l'ensemble de ses opérations dans 140 pays. Autre information, les différentes directions de mines installées dans deux provinces de la République démocratique du Congo ont produit, selon les statistiques de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, plus de 500 dollars américains dans la période 2020-2021. Le rapport produit par l'ITI renseigne que les différentes directions ont encaissé près de 528,7 millions de dollars américains du secteur extractif durant la période indiquée. Plus de détails sur Zoomeco.net. Cette fois-ci, après la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée TVA le 15 avril 2022 sur certains produits de première nécessité, ceux de la cimenterie et de l'immobilier, à la demande de la Fédération des entreprises du Congo, la taxe redevient imposable sur ces produits. Pour la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, il est important que cette mesure soit prolongée. Plus de détails sur Zoomeco.net. Enfin, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté lors de la dernière réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 20 janvier 2023 entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de projet de construction du corridor économique transnational RDC Angola, phase 1, pour un montant de plus de 99,2 millions de dollars américains. Soumis par la vice-ministre des Finances, Onancele, ces projets régionaux visent à contribuer à l'amélioration du système de transport routier inter-État et à la promotion des échanges intra-régionaux en Afrique centrale et australe. Obligations du Trésor indexées, on parle ici de 43 millions de dollars visés. On en parle justement avec plus de détails à travers la rubrique Chiffres et clés qui nous est présentée par Judith Tounamaka. Tournamaka, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, on parle de ces obligations du Trésor indexées, 43 millions de dollars américains visés, mais avant tout, on aimerait avoir des précisions sur le taux d'échange. Débutons par ça. Voilà, qu'est-ce qui s'observe sur le taux d'échange? À l'officiel, précisément, un dollar se troque à 2037 francs, un franc CFA s'altère à 3,39 centimes et un euro vaut 2225 francs. Parlons du marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Yolo Ezo et dans cette partie de la ville, un dollar se coopère à 2300 francs, un franc CFA vaut 3,40 centimes et un euro revient à 2350 francs. Alors revenons sur la thématique, à quoi a servi l'adjudication de ces obligations du Trésor indexé du 11 avril 2023? Voilà, l'adjudication des obligations du Trésor indexé en dollars américains du 11 avril 2023 a permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de lever 43 millions de dollars américains sur le marché financier local. Au cours de cette opération, le gouvernement congolais visait la somme de 70 millions de dollars américains. Le taux de couverture était alors de 61,43% du montant total mis en adjudication. Et le montant servi est de 43 millions de dollars américains émanant de 4 soumissionnaires ayant répondu présent à cette opération financière au profit du Trésor public congolais. Et hormis cette opération des obligations du Trésor
indexées. Le gouvernement congolais a également lancé deux autres obligations du Trésor indexé qui ont abouti à un résultat satisfaisant. Mais alors, combien ont rapporté ces émissions des obligations du Trésor indexé lancées en 2022? Voilà, les émissions des obligations du Trésor indexé lancées en 2022 ont rapporté 157,70 milliards de francs congolais, soit 78,7 millions de dollars américains sur les 100 milliards de francs congolais qui étaient visés. Au total, 5 soumissionnaires ont été servis et le montant total des soumissions ont atteint 197,50 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture de 197%, mais seulement 157,70 milliards de francs congolais ont été servis. Alors, dernière question pour finir, c'est sûrement une question que beaucoup se posent. Comment comprendre ce qu'on appelle obligation du Trésor? Voilà, une obligation du Trésor est un titre de créance remboursable à moyen ou long terme d'une durée supérieure ou égale à 3 ans, émis par le Trésor public d'un État, soit par voie de syndication, c'est-à-dire via accessible un groupement d'établissements financiers, ou soit par voie d'adjudication, c'est-à-dire aux enchères. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir, Guy. Après elle, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous ne parlerons pas d'éducation, nous parlerons plutôt rubrique. Et c'est la prochaine rubrique tout de suite après ceci. Suivez. Je l'ai annoncé au sommaire et nous sommes déjà en ligne et en contact avec Patrick Bomboka, qui est notre envoyé spécial sur place à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Patrick Bomboka, bienvenue. Merci de nous faire cet honneur d'être avec nous en direct. Merci beaucoup Guy. Effectivement, nous sommes ici à Washington DC, aux États-Unis, où se déroulent les rencontres de printemps 2023 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors Patrick Bomboka, vous avez assisté à cette assemblée du printemps. Première question, qu'est-ce que l'on doit retenir de ces travaux? Eh bien, au bout d'une semaine de travaux, les États parties se sont séparés sans avoir trouvé un consensus autour d'un communiqué final. Mais on devra retenir qu'au-delà du communiqué final dont le consensus n'a pas été trouvé, ils ont tout de même fait une déclaration dans laquelle ils expriment clairement leur volonté commune de travailler pour la croissance économique future. Et déjà à ce sujet, la directrice générale du Fonds monétaire international s'est montrée optimiste. Je vous prie d'ailleurs d'écouter les propos qu'elle a tenus au cours de la conférence de presse qui clôturait les travaux ici à Washington. Je garde de cette réunion l'esprit volontariste de nos membres et c'est ce qui compte. Consensus sur un grand nombre de questions, vous en avez parlé, le besoin de continuer de lutter contre l'inflation, sauvegarder la stabilité financière, le besoin de travailler ensemble maintenant pour jeter les bases d'une croissance future et le besoin de venir en aide à nos membres les plus vulnérables. Nous sommes d'accord sur les principes, certes, mais lorsque les principes sont mis en œuvre, ça signifie que des pays comme la Zambie, le Ghana, l'Éthiopie peuvent vraiment résoudre leurs problèmes d'endettement plus rapidement. Enfin, n'oublions pas que nous avons une date butoir, la 16e révision des cotes-parts. J'ai été enthousiasmée par ce que les membres ont annoncé. Nous sommes engagés à procéder à cette 16e révision des cotes-parts. Avant Marrakech, nous avons beaucoup de choses à faire. Il y aura peut-être des surprises. Nous savons que le monde a mais nous avons au moins l'unité de nos pays membres pour travailler ensemble et résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent. Dans la même déclaration, les États parties reconnaissent que les perspectives économiques sont confrontées à une incertitude accrue. Il est vrai qu'à présent, l'économie mondiale fait preuve de résilience, même si les pires des scénarios ne se sont pas matérialisés. Eh bien, à ce sujet, la directrice générale du Fonds monétaire international croit que la coopération internationale et le multilatéralisme soutenu peuvent être essentiels pour soutenir la croissance mondiale. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez notre envoyé spécial à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Ikala, bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité.
Alors, nous parlons ici, nous revenons sur cette décision qui a été prise par le gouvernement congolais de suspendre de 16% la TVA sur le produit des premières nécessités. Première question, selon vous, vous avez apprécié l'idée ou vous êtes encore un peu départagé par rapport à cette décision? Il faut partir de la genèse. Donc, c'était en avril 2022, le gouvernement a pris une décision de suspendre la perception de la TVA de 16% sur les produits de première nécessité, dû notamment à toute la crise alimentaire que nous avons connue due à la guerre en Ukraine. C'était une très bonne décision. Mais aujourd'hui, en RDC, nous avons une situation un peu particulière. Nous sommes en pleine période d'inflation. Nous avons une dépréciation du franc congolais d'environ 15 à 20% depuis le début de l'exercice budgétaire. Donc, le Congolais moyen a perdu environ 15 à 20% de son pouvoir d'achat, parce qu'il y a une dépréciation du franc congolais. Et ce n'est pas en ce moment très difficile que nous allons rajouter les 16% de TVA sur le produit de première nécessité. Parce que, imaginez, vous perdez 15 à 16% de la valeur de votre argent qui est en main. Et tout ce que le gouvernement trouverait à faire en ce moment, c'est de remettre une TVA sur le produit de première nécessité pour que le sucre, la volaille, puisse coûter 16% plus cher demain. Mais c'est pas une décision socialement acceptable. On doit dire que les opérateurs économiques ne doivent pas non plus se sentir trop serrés par rapport aux décisions prises par le gouvernement congolais. Ils se sont accordés pour un moratoire. Maintenant, ils doivent aussi fonctionner. Je vais vous expliquer. Le gouvernement, Sam Alkonde et le chef de l'État, ils ont pris beaucoup de décisions pour maintenir notre pouvoir d'achat. Par exemple, pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont vu leur IPR, donc l'impôt professionnel sur le revenu, diminuer de 15 à 3%. Ils ont vu leur salaire augmenter de 30%. Le gouvernement subventionne à 40% environ le carburant. Donc le carburant que vous achetez aujourd'hui, c'est subventionné déjà par l'État. Tout ça pour faire en sorte de maintenir notre pouvoir d'achat. Et il y avait aussi cette suspension de la TVA. Donc toutes ces mesures... C'est un coût énorme, ce n'est pas la porte à côté. Ont été prises pour maintenir le faible pouvoir d'achat du peuple congolais. Je vous rappelle que 73% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour. Donc on a pris toutes ces mesures pour maintenir le pouvoir d'achat, le faible pouvoir d'achat du peuple congolais. Donc après avoir pris toutes ces mesures, si aujourd'hui le même gouvernement décide que nous remettons la TVA sur le produit de première nécessité, alors toutes les mesures prises précédemment pour maintenir ce pouvoir d'achat risquent de tomber à l'eau. Voilà pourquoi je dis que si on revient avec la TVA sur le produit de première nécessité, le chef de l'État est en train de se tirer. Est-ce que vous voyez, au regard de la situation économique de notre pays, vous voyez le gouvernement être à même de poursuivre avec cette décision? Oui, je pense que le gouvernement, s'il veut éviter une crise sociale, ça serait, faire preuve de sagesse que de ne pas augmenter les produits de première nécessité d'environ 15%. Est-ce qu'il y a une solution à prendre qui pourrait contourner le problème? La solution à prendre, c'est que... Il y a plusieurs solutions à prendre. Première des solutions, c'est d'abord des solutions à court terme. Nous avons des réserves de change. Officiellement, nous avons beaucoup de réserves de change. Nous avons entre 3 milliards de réserves de change. Ce que l'État devrait faire, c'est agir maintenant sur le marché de change. Ça signifie acheter les francs congolais, donc acheter en dollars les francs congolais dans les banques commerciales pour essayer de faire entrer une masse monétaire importante de dollars sur le marché afin de maintenir, d'équilibrer justement et faire que cette dépréciation puisse s'arrêter. Et aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est une diminution du train de vie des institutions. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à la guerre. Ce sont des dépenses qui sont imprévues. Mais vous savez, avant la guerre, nous faisions des recettes et 75%, 78% de nos recettes, c'était le fonctionnement et les salaires. Ouais. Maintenant, nous avons quelque chose d'imprévu, c'est la guerre. Donc nous n'avions pas renverser la pyramide. Nous n'avions pas cette marge-là. Mais pourtant, la guerre est une dépense contraignante. Il faut bien acheter des armes, il faut bien acheter des munitions. Ça a un coût. Donc on ne peut pas maintenir, la même structure des dépenses de l'État avec cette dépense supplémentaire sécuritaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est diminuer le train de vie des institutions. Très bien. J'aimerais qu'on parle aussi d'une réflexion qui est venue de vous. On vous suit, on lit ce que vous écrivez, vos analyses. Vous avez parlé une fois de routes qui devaient être privatisées, c'est le terme. Vous allez le dire avec vos mots, pour essayer de faciliter la connexion du pays par les provinces ou par la voie routière. Ça pourra permettre au gouvernement congolais de faire des recettes en important de moins en moins et en exportant
de plus en plus. Comment se présentent ces petits tableaux stratégiques que vous mettez à l'écrit? Oui. En fait, pour comprendre, et ça c'est peut-être à long terme, pour éviter les situations telles que nous avons aujourd'hui. Dans notre imaginaire, nous pensons toujours que la richesse de la RDC, ce sont les minerais. Oui, ce sont des richesses. Et encore que, si vous n'avez pas la capacité de les extraire, pour moi, ce ne sont pas des richesses, ce sont juste des potentialités. Donc, mais la vraie richesse... Extraire et transformer, oui. Voilà. La vraie richesse du peuple congolais, de la RDC, c'est en fait son peuple. Nous avons 80 millions d'habitants. Ça signifie 80 millions de potentiels consommateurs. Et ça peut créer beaucoup d'argent, plus que même les minerais. Voilà pourquoi nous devons, dans cette perspective, nous devons arrêter d'importer ce que nous consommons. Ça signifie que nous devons investir dans l'agriculture. Mais l'agriculture, en RDC, ça demande deux choses. Il faut à la fois le financement, il faut à la fois l'accessibilité. Pour l'accessibilité... Et l'expertise, puisqu'on a tenté une fois avec le projet Bukanga-Lonzo, ça n'a pas abouti. Vous savez, je ne crois pas... Il y avait le financement... Je ne crois pas au projet de type Bukanga-Lonzo, parce que j'ai fait le tour du Congo et je me suis rendu compte que nos paysans et même nos petits entrepreneurs font beaucoup de travail. Le seul problème qu'ils ont, c'est peut-être un soutien financier. Mais voilà, il y a deux choses à faire justement pour essayer de faire en sorte de consommer, de produire ce que nous consommons. Donc l'agriculture a besoin de routes. Les routes, c'est 36 000 km de routes que nous avons en RDC. 36 000 km de routes qui sont dégradées. Ça va coûter des milliards s'il faut tous les réfectionner. Même avec les 145 territoires, on n'y arrivera pas. Alors, comment trouver ces milliards? Selon moi, il faut privatiser les routes. Ça signifie accorder ce qu'on appelle des concessions routières aux entrepreneurs privés pour qu'ils puissent réfectionner ces routes et gagner de l'argent dans ces routes via notamment les aires d'autoroute. Le modèle Kinshasa-Matadi. Oui, le modèle Kinshasa-Matadi et surtout le modèle français qui est un modèle que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, quand vous parlez à ce type d'investisseurs, ils vous disent que l'RDC est un endroit à risque et qu'un investissement sur une concession routière, ce sont des investissements en milliards de dollars, et que l'amortissement, ça prend environ 30 ans ou 40 ans. Donc, il faut un cadre juridique qui permet ce type d'investissement. Et voilà pourquoi, moi, j'ai fait en fait un travail pour essayer d'élaborer un projet de loi relatif aux concessions routières qui puisse garantir à ce type d'investisseur... Que vous avez déjà mis à la possession, à la disposition de votre pays, la RDC, pour exploitation. Vous parlez d'un projet de loi. Oui, j'attends si le Premier ministre ou le Président de la République peuvent me recevoir, je peux leur expliquer et leur donner ce projet de loi parce que je ne vois pas de quelle manière nous pourrons réfectionner avec notre maigre budget de 10 milliards de dollars, comment nous pourrons réfectionner 36 000 km de route. Donc techniquement, ce n'est pas possible. Il faut faire rentrer le secteur privé dans le jeu. Merci beaucoup à vous, M. Ikala, pour ces précisions. Je rappelle que ce n'est pas votre première participation. Non. Je pense que vous serez toujours ouvert. De temps en temps, on reviendra sur vous pour parler justement de l'économie et d'autres questions liées à la République démocratique du Congo. C'était Merci. Un plaisir. Merci beaucoup. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de faire le marché et ces marchés, nous nous laissons toujours guider par Naomi Kandé puisque c'est elle qui nous présente Zoom Wendy. C'est parti. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons déjà démarrer, nous sommes très prêts pour le marché. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? En effet, pour ce numéro, Zoom Wendy vous ramène le prix de matériel et produits de nettoyage pour rendre votre intérieur encore plus sain et limiter la pollution de l'air dans vos domiciles. Voilà, nous allons donc prendre le produit qui assure le nettoyage des maisons, justement avec plus de clarté. Voilà. Nous allons donc suivre ce marché qui nous est présenté avec détails à l'appui, chiffres et même tableaux. Et nous allons le retrouver juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec le produit des nettoyages. Pour un détergent en liquide, le prix varie entre 8 500 francs et 11 000 francs. Pour éliminer les microbes du sol, une bouteille d'un litre de Javel se vend à 7 000 francs. Pour rendre vos vitres éclatantes, 7800 francs est le prix fixé d'un nettoyant pour vitres. Un flacon de bicarbonate de soude coûte 500 francs et 1000 francs pour un flacon un peu plus grand.
esprit des sels pour adoucir les taches collées au sol. Pour une bouteille de 1 litre, le prix varie entre 8 000 francs et 10 600 francs. Un litre de crème à recurer se vend à 9 000 francs. Passons aux matériaux de nettoyage de vos maisons. Une paire des gants se fixe à 2 500 francs. Une éponge coûte 500 francs. Pour vos nettoyages, vous aurez besoin de brosses. Pour une brosse de nettoyage de sol sans tige, coûte 500 francs. Une brosse de nettoyage avec tige se vend à 8 200 francs congolais. Avant de nous quitter, nous avons toujours reçu un conseil de vous. Vous nous avez présenté une gamme de produits qui peuvent faciliter le nettoyage de toutes ces maisons, ces domiciles. Moi, j'aimerais avoir une orientation plus précise en ce qui concerne le nettoyage de toilettes, par exemple. Quel est le produit le plus recommandé? Alors, tous ces produits sont utiles pour les nettoyages de vos maisons. Mais ce qui est plus utilisé, c'est de détergent, de Javel et bien d'autres. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de vous présenter les différents rendez-vous de la semaine. Nous allons déjà décoller avec la rubrique agenda qui nous est présentée justement par Ada Sagras. C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées vite du jour. Le Forum Afrique 2023 s'y tiendra ce mardi 18 Afrique 2023 à Paris et sera axé sur Business avec l'Afrique, l'heure du New Deal. Un autre rendez-vous n'est pas loupé, il s'agit des journées héros africaines 2023 des droits économiques qui s'y dérouleront en présentiel à Bruxelles du 20 au 21 Afrique 2023 et aura pour thème lutter contre la corruption et les blanchiments, pouvoir de l'égalité des genres dans les relations économiques, mobilité internationale des entreprises et des travailleurs entre l'Afrique et l'Europe. À présent, notons que la 4e édition du plus grand rendez-vous des acteurs e-commerce et de la fintech en RDC s'y tiendra à Kinshasa au Pullman Hotel du 21 au 22 avril 2023. Et pour finir, l'édition 2023 du week-end africain du droit minier de l'énergie aura lieu à Conakry du 28 jusqu'au 30 avril prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est ce moment où nous vous présentons l'expertise, la débrouillardise, mais aussi l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo. Par moments, il nous arrive de faire des tours en province aussi, mais aujourd'hui, c'est un volontaire ici à Kinshasa qui a accepté de partager avec nous son expérience. Il est dans cette activité, l'exercice de cette activité depuis plusieurs années, et ça lui permet de bien vivre et de s'organiser. Comment fait-il? C'est la question qui se pose et vous découvrez les réponses à travers ce numéro, article 15. L'avantage n'a pas été que je suis en train de faire un peu de diplôme, mais je suis en train de faire un avantage. Je suis en
La difficulté, c'est que je ne par rapport à mon parfois, je suis un peu conseil gratuit dans les actes, oh mon gars, ça gêne. Allons la sonner. Le robot m'a dit que ça gêne les années à sonner. Bassi, entourage, au moins attendre possible. Le robot tam s'en a balabas. Le zoom, le réseau gêné, le zoom en haut grave. Ce que bisou de tambou ça, on m'a dit tout au fin à ma gare. Ni n'a moins changé à tonine, n'a moins le moral à notre bisou. Et le robot conseil gratuit, ça a été moutonné, c'est tout jeune. Parce que Zambabi, Bunda, n'a moutoki, n'a de roulien de roupamboula. Ce que zo Bunda, c'est ça qui a battu nos botoula. Il a battu nos os aux intéressés dans mon col de robot. Zambapamboula. Je ne sais pas si je suis un peu plus de courage. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.